Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de NageCarf 53. Aujourd'hui, on va vous présenter nos bouillettes et comment les pêcher un peu dans la Mayenne. Quelques petites astuces pour amorcer. Donc, Lucas, tu peux commencer. Donc, on va commencer par nos bouillettes maison. Donc, voilà. Donc, pas une très belle couleur. Ouais, ça va. Voilà. En fait, ça fait penser Monster Crab. Voilà. Regardez, il y a des Monster Crab à côté. On dirait les mêmes. Un tout petit peu plus petites. Voilà. Ouais, plus foncées aussi. Et celles-là, celles qui sont maison. Ouais. Sont à la cerise noire. Cerise noire, donc on a déroulé avec. On a fait une 10 kg. Une 10 kg cet après-midi, une miroir. Voilà. Une miroir de 10 kg dont vous aurez la photo. Dans les herbiers en face, hein. Tout dans l'herbier, on a amorcé pendant 2 jours. Donc bah voilà, elles sont en vente, nous en avons donc quelques-unes, donc, si vous êtes intéressé. Le kilo, voilà. On vous mettra dans les commentaires. Voilà. Donc ensuite, on passe à la bouillette épicée. De chez qui? De chez Starbet. Voilà, chez Starbet. C'est les tiennes, voilà, regardez. Donc attends, on va les bonnes bouillettes qui sentent. On va prendre au niveau de la caméra. Voilà. Ici, voilà quoi. Un bon petit paquet de bonnes bouillettes extra. Donc voilà. Donc, ensuite, les ananas. Ouais, donc ananas. De chez Dynamite Bait. Dynamite Bait, voilà. Donc, c'est pas les miennes, ça. Non, c'est voilà. Bon, elles sont en ligne. Donc voilà. Donc là, on voit. Et sinon là on voit, c'est des 20 mm. On n'a pas précisé les bouillettes fraîches. On peut les faire en 30 mm, donc la grosse bille. On a toutes les tailles, si vous voulez. On a toutes les tailles à part de la... De la 16. À part de la 16. On a 18, 14, 20, 30. Bah voilà. Donc en toutes les tailles. Voilà. Donc ensuite, les Banana Strike. De chez Starbet. Ouais. Qui sont aussi des voilà. Très bonnes bouillettes. Même très si bonne bouillette. C'est quand même de la bonne bille. La bouillette. On en a fait deux aujourd'hui, ouais. Avec ces bouillettes-là. On en fait une. On en sort une et puis il y a deux départs avec. Une décroche. Ouais, une décroche. Donc voilà, des bonnes bouillettes quand même. 20 mm. Voilà. C'est des bons trucs. Extra. Qui marche bien. 20 mm, voilà. Donc, tu l'avais dit. Hein. Ensuite. Ça sera tout pour les bouillettes. Ouais. Non. Des pop-up. Pareil, Banana Strike, quoi, des pop-up. Des 18, Banana Strike. C'est des combien ça par contre? C'est des 14, ça. Non, 15. Des 16. 15? 14 mm, excuse-moi. 14, ouais. 14 mm, des petites billes. Voilà. J'aurais pu beaucoup. Faire un bonhomme de neige. Voilà, ça c'est la même barque. Et il y a les Monster Crab. Ouais. C'est pas pop-up, ça, c'est Monster Crab. Ouais, Monster Crab, boosté au dip. Boosté au dip, ouais. Que t'as boosté toi-même. Ouais. Voilà. Donc, ce sera tout pour les bouillettes. Donc maintenant, on va vous montrer notre amorce. Notre amorce. Donc, il est composé. Il est composé de nos bouillettes avec quoi on pêche. Ouais, donc nos bouillettes. Donc, les bouillettes maison. Et les bouillettes avec quoi on pêche. Bouillettes épicées. Et bouillettes. Ananas. Banane ananas, oui, les deux. Banana strike avec. Avec pelé. Pelé. Voilà. Donc, ouais, on va montrer. Pelé gras. Là, on peut voir du pelé gras. Le gabarit de pelé, quoi. On a du gros et on y rajoute on a du tout petit, vraiment pour tout ce qui est brème, poisson blanc, quoi. Vraiment pour attirer la carpe ensuite. On y rajoute ensuite le goût à l'ananas, ouais, de chez pineapple, il existe en plusieurs goûts. Oui, il y a rose, et ça fait fluo, vert fluo dans le fond. Oui, dans le fond, oui, ça fait vert fluo jaune. Quoi. Donc gros, c'est un attractant, quoi. Et puis en plus, avec le courant, il n'y a pas beaucoup de courant, il a plu un tout petit peu. Ça suffit largement pour faire bouger les cartes. Ouais, oui, ça les attire bien. Donc on verra ce soir, ouais. Si ça peut jouer sur le canne. Oui. Et puis là, voilà, petit PVA, PVA bag. PVA, voilà. Avec du goût. Ouais, du dip encore. Du goût.
Donc on va passer au plomb bateau. Au plomb bateau, oui. Qui est dans la Mayenne, qui est important quand même, bah, dans tous les fleuves. Où oui. y a, enfin, dans y a tous les endroits où il y a des bateaux. Il y a des bateaux qui passent, hein. Que ce soit donc, dans la Seine ou... Ah, il est pas ouvert, mince. Ouais, bah, on va montrer comme ça. Voilà. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est... celui-là, c'est le moins cher, hein, 2,99€. Vous n'avez pas besoin de prendre des gros. 90, excuse-moi. Ça plaque voilà. Les lignes dans le fond pendant que les bateaux passent. Ouais, bah ça, même y tout a, le temps. Il y en a qui connaissent, ils sont pas tous. Ouais. Mais bon, j'espère. Donc voilà. Bon, bah voilà. Ouais, et puis si vous voulez vraiment voir, c'est quoi les Banana Strike. Voilà. C'est le qui voilà. Marche, donc il a 11,90€. Le paquet. Le paquet, quoi. Donc par contre, 11,90€. Les 20 mm, je trouve que ça fait quand même vachement cher. Nous, on a des bouillettes fraîches et ça des rots parce que nous, pour acheter, ceux qui vont nous en acheter, ils demandent le goût qu'ils veulent. Et, oui, on met ce qu'on veut, quoi. On va s'équiper de plusieurs goûts. Ouais. Donc, bah, la cerise noire. On a deux pistolets à bouillettes. On a cinq tables, six tables même. Six tables. Donc, ceux qui demandent à les faire, vous nous demandez et on les fera. Voilà. Voilà. Donc ouais voilà oui ça dépend. Ça dépend des personnes, combien ils en veulent des paquets. Ouais. Après il y a d'autres comment diamètre. On appelle ça. Il y a aussi d'autres sites. Oui. FHBet et Hurricane. Oui. Après on va pas tous sur FHBet ou Hurricane. Ça sera tout pour cette vidéo. Bah, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À la prochaine voilà.